repère la manette direct. Nouvelle partie. Merde, c'est du local. Oh non. C'est que local. C'est du. En tant que deuxième joueur, pour rejoindre la partie pour quelques temps, là pour l'instant, ce que j'envoie, bah, c'est que du local. Hein. Il y a marqué quoi sur le. On va regarder, ouais. Coopération en ligne pourtant. Ah, attendez, deux secondes. Ça. Re, excusez-moi. Alors, attends, en tant que deuxième joueur. Attends. Parce que là. Admettons que je me mette ici. Salut Bahamut. Ouais, c'est à peu près. Grand max 1h30 de TS, ça te va, Lucas. Je sais pas trop plus, après on va bouger un peu. On a plein de trucs à célébrer. Bon, je lance et je vois si une fois en jeu, tu sais, je peux te grouper, peut-être. Ouais. Alors, donc voilà, donc The Last Story Crew, action RPG sorti aujourd'hui. Alors, par contre, je m'attendais à un truc médial fantasy, et là, je suis dans une capsule. Je m'attendais pas... Ah ! Oh, shit. Oh, shit. Et c'est un jeu extrêmement narratif, visiblement. Oh, my God. Oh, I must be dreaming. I must be dreaming. Come on. Get me out. Get me out. Help. Help. Ça va faire mal. Eh ben sympa pour commencer. C'est toujours sympa un petit katana dans le bidou. Can you hear me? And I'm so glad that you're up. Navigator through the darkness of the space. And don't you worry, Pedro. I'll take care of you. Your systems are rebooting now. But first, keep your eyes open. Ah oui, c'est un Souls-like. Tant mieux. Oh ça, il y a une grosse L point dans le gameplay, hein, je trouve. Dans les animes. Tu sais, le côté cheap, mais sympa. Sauf que ce coup-ci, j'ai la fibre, Lucas. Si on arrive à se grouper... On pourra pas jouer en ligne. Mais si, c'est marqué. Ouais, j'ai déjà vu des jeux où c'était marqué ou c'était pas vraiment marqué. Bon, le feedback est un peu est pauvre quand même. Hein. C'est pas ça le feedback. Bon, après, voilà, c'est un jeu indé, donc façon indé. Attends, comment ça je suis à court d'endurance après une attaque, quoi? C'est une blague? Ah, je suis content là. Mais. Ah, j'ai l'impression qu'il me bouffe mon endurance en fait, le mec à me taper. Mon enduit, elle part d'un coup, y'a. Chelou, c'est ça. Putain. Ouais, en fait, ça quand il me tape, ça me prend mon endurance, je sais pas trop pourquoi. Putain. Par contre, pour l'instant, je peux pas accéder au menu, donc je peux pas inverser la caméra. Très problématique. On dirait le personnage dans Dada dans Villa Dakota. Donc, ouais, Last Story Crew, c'est sorti aujourd'hui à 17h, je crois. On va voir ça. Ah ouais putain, et Nat a réussi à fixer ma chaise, elle se penche plus en arrière toute seule maintenant. Donc elle est vachement confortable en vrai. J'étais un connard, je l'avais mal monté en fait. Ce jeu est une expérience narrative non linéaire qui vous permet d'influencer le déroulement de l'histoire et votre expérience de jeu en fonction de vos actions et de vos décisions. Donc on est sur un Souls-like narratif à choix moral. Pas banal. J'aime en tout cas, par contre j'ai un tearing d'enfoiré là. Faut vite que j'accède aux options du jeu là. Je sais pas si vous voyez vous à l'écran, moi j'ai un tearing terrible là, j'ai des barres qui traversent l'écran. Waouh, c'est vénère. Pourtant j'ai mis le G-Sync, mais je suis peut-être en plein écran, à voir. Mais j'ai pas encore pu accéder au menu du jeu, ce qui est très frustrant toujours. Enfin si, je l'ai mis au début, mais je crois que je me suis pas assez intéressé. Vous l'avez pas, d'accord. Nous avions nos doutes. You took an excessive amount of time last one. Trouver la dame du lac, ah, c'est référence arthurienne. I would blame that malfunctional belt of yours. Yet you seem fully operational now. T'es sur le tuto aussi, Lucas, toi? C'est l'intro, là. What? I'm not dead. Ah! I had this horrible nightmare and
It felt so real. C'est un gros double A, le chat, hein. C'est pas du triple A, soyons clairs. Sur le visuel, il y a forcément des concessions pour le truc. Je suis Multus, Keepers. We will explain everything in good time. Come back later if you have questions. Now, we need you to cooperate. Cooperate? Yes. You will proceed to Tobias for training. Like, now? I mean, everything is still a little fuzzy. I would donc, ça, on, c'est une sorte de science fantasy, en fait. We would appreciate your immediate compliance. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu de jeu comme without ça. Perfecting your hand-to-hand c'est des univers assez rares, la science fantasy. En gros, on a un aspect futuriste, mais quand même fantasy. Hold on there. Un peu comme Y-Star, pour le coup, le chat. Alors, pas le même direct artistique, hein, mais dans l'univers. Indeed. You bear the gift of immortality, hence... Immortality. So, I can't die. If you'd allow me to finish, you would have already known. No. You die ordinarily. Ah. Then you are born again. Such is the power of the belt you carry. We are analyzing it, and don't have validated outputs to share with you yet. What? That's all you have to say here? Yes. Now go and meet Tobias already. My servant will show you the way. Oh, just one more thing before you go. We shall call you Silver, our regular naming proto- What? No, my name is... Oh, my name shit. Is... I honestly have no idea. Yet we do. Silver was the only name available on your crisis. Ah. The naming protocol says it will have to suffice. I would much rather pick my name. Enough. We won't bend the principles that keep our world in order. But... Humans. Always disrespectful of the habits and cultures of others. The rat company will suit you. La compagnie des rats. Hey, bien, ça. You rat. Ah, ça passe à la première personne parfois, par contre. Donc Nat pourra pas y jouer. Ah, c'est bon. Alors, paramètres, attendez. Difficulté... Impitoyable. Ah, de toute façon, il n'y a que impitoyable ou histoire. D'accord. En gros, c'est la difficulté de base du jeu. A plus tard, Kamset. Soit en gros, c'est en mode histoire pour être tranquille, quoi. Contour des six, l'écran partagé, mode solo. Attends, coupe de cheveux de Silver. Oui, en fait, il n'y a pas de création de personnage. Côté rasé ou chauve. Super. Bah, pourtant, sans bordure. Attendez, je comprends pas. Plein écran. On va remettre la 5 en verticale. Peut-être que ça va aider. Voilà, 60 FPS, oui. Le DLSS, on peut l'enlever, quoique. Coûte rien de le mettre en vrai. Ok, on va voir. Ah, je crois que j'ai plus de tirer. Ah, attendez, c'est ça que j'ai oublié de faire. Manette. Ah, inversion caméra, inversion XY. Ah. Ah. Oui, je peux pas jouer un jeu, moi, si j'ai pas la version XY. C'est plutôt joli, en vrai. Hein. Dommage, pas de création de perso. Alors... 49% du temps, je suis pas d'accord avec vous parce que vous me rendez ouf les gens avec votre création de personnage, on s'en bat les couilles. Dans un jeu narratif, je peux comprendre pour l'aspect immersion et que ça ne puisse nous tenir à cœur. Mais par du principe, quand il n'y a pas de création de personnage, c'est juste que ça coûte du pognon à faire et qu'ils ont autre chose à foutre avec leur thune. Je n'ai pas l'impression de pouvoir. Attends. Je cherche hein, pour. Ça va être... Je sens que ça va être comme. Manette, interaction sautée, caméra. Ah, peut-être dans l'autre. Alors, inventaire, objectif. Yes, personnage. Bon, bah écoutez, je... si quelqu'un sait comment on groupe quelqu'un d'autre, je suis preneur. Hein. Effectivement, au lancement, il y avait bien marqué genre un en manette et l'autre au clavier souris, tu vois. Ça se trouve, on pourrait être deux à la manette. Mais ça, c'était en local. Là, le jeu est clairement un double as vite, hein. Ça se voit dans les... Regarde la gueule, les textures et tout. Hein. Donc là, c'est-à-dire que le pognon a pu être élu. Ils ont fait uniquement les trucs prioritaires, quoi. Ha ha ha, funny. You know, that's most likely why he was stealing food in the first place. Where is your sense of justice? Are you really trying to give me a sense of justice, Tom? Après, si on peut pas jouer à deux, on va juste... Moi, pour le coup, mon intérêt, c'était de jouer avec Azelos. En solo, je suis pas intéressé plus que ça. I honestly think we have enough of our own problems. C'était aussi écrit qu'il faut avancer dans le jeu. OK, bah écoute, je continue alors. J'avais pas vu Ashragar, merci. Oh, autant pour moi. So now you are suddenly sure we have a spaceship. Well, no, but it's peut-être only une sorte de tuto à passer au we début. Couldn't have just appeared here out of thin air. Hello? Like that guy. Great. Merde. To meet you, man.
Ah, sorry. My manners. It's Brian. Silver, likewise. It's comforting to know that I'm not alone in this mess. You're not. I'm Petra. Silver. Well, Silver, now you know everyone worth knowing around here. Oh, come on. Marco? True, he is a bit of an a-hole, but he's one of us. Great. Well, tell me everything. That spaceship, for instance. Honestly, we don't know much either. We all got the same briefing. Go and start paying your debt. Training. Now. Same for you? That's actually pretty accurate. Right, so you'd really better go now. If Tobias sees us delaying your training session, he will get pretty pissed. Brian is right. They take things quite seriously around here. But let's talk later. Tobias won't torture you forever. Can't wait. Well, let's do this. See you soon, guys. See you, Silver. I'll be somewhere far away from this prejudiced hypocrite. Oh, come on. Can't we just... Okay. Un peu, beaucoup de blabla. C'est la tissue d'entraînement, on dirait une... Ouais, ok. De toute façon, il faut que je suive le monsieur Rat. Lui, il a une gueule d'entraîneur, lui. Oh, lowly. I always forget. I should... Tobias, donc, enchanté. Never mind. Just call me Silver. Loaded. I'm sorry you had to suffer pas très gentil avec les rats. Stinky rat arses along your way, ascended one. We're short of ends these days. I'm Tobias. My meager self will be responsible for your training. We will follow standard protocols and have you ready shortly. Right, that dreamy, glowing stick behind you will be a part of the training too. The mighty rod of lightning? No, it certainly will not. I might not be the most competent teacher, but I can tell the limits of my pupils. And I will make you die with some dignity. Not just by accidentally frying yourself. Let me know when you're ready. I'll provide you with one lucky spar rat. S'entraîner, j'ai 230 mois. I'd rather not die at all. So first, ah, c'est bon, on peut faire rompre. I won't bother you with another ratchet to lead you. You just need to go back through the same pass. Reprends le couloir, celui sur la droite. Turn right. Oh putain. It's the first door just around the corner. There is a giant shield above. Easy to spot. Voilà, il m'a déjà donné les indications là, au secours. Alors, récompense. Les options avec un point d'exclamation sont la réponse de quête confortant cette étude faire progresser l'intrigue. Ok. Les options avec une bulle dialogue sont la réponse de question qui permet d'en apprendre plus. Ok, d'accord. Ouais, point d'exclamation en gros, tu parles. Et là, sinon, t'as d'autres dialogues pour avoir du lore, quoi. Il a dit sur ma droite, par contre. Hein. Sur sa droite à lui. Donc là, c'est ça, c'est la droite. Donc, moi, c'est ma gauche. Merde, c'est pas ça. Putain. Évidemment. Impossible d'ouvrir la porte de ce côté. Ok. Bon bah. Attends, à sa droite. Ah, mais il y a peut-être un truc littéral à sa droite. Hein. Attendez. J'ai peut-être mal lu. Bien cru qu'il avait dit à sa droite. Sinon, c'est ici peut-être. T'as trouvé toi l'épée bouclier, Lucas ? J'en sais rien, on suis pas encore là, moi. Oh le noob. Je vais trouver Tobias. Ah. Là, il y a un rat. A bit nipper. Not told more coming. Master's missing. Looking for sword? Yes. Talking rats. Right. This probably. Ils sont pas gentils avec les rats. J'aime pas qu'on les méchants. Just never heard a rat talk before. They told me. They send pups for sword. Looking for sword? Probably. I should get something to train with. Yes. They not want you to destroy good blue steel, master. Okay. They pas give bon, bro- edgy, slim, and with a tan exactly my type. How did you know? I give you best fan I have. Only one bronze left, so it easy. The same for bon, ça, nous file les pieds boucliers. À titre gracieux. Mais non, c'est là gratuitement. Putain, mon personnage est un débile. I did not say, master. You did. Must hurt somewhere. Sorry. The borrow took straight, master. Now, sword one hand, shield another.
and go train. Hope you be better than they. Vous avez dit maître des ordonnées. What did you mean by messy masters? Ok, j'ai l'épée et le bouclier, on est bon. I cannot say that. Master's good, yes. Not say one thing, doing another. C'est de l'ironie des rateux. Mais arrête d'être méchant! Putain, mais j'aime pas les gens méchants. Alors, dans le perso... Dans le... Ok. Attends, alors, je vois bien l'inventaire, mais... Pas grand-chose à m'en foutre. J'ai mon épée d'entraînement, mon bouclier, ok. On va retourner voir Tobias maintenant qu'on a l'épée. Comment ça fait bizarre ce son de menu? Ah, c'est à l'ancienne. Hein. Dans le jeu, on dirait vraiment qu'il a, je dirais, 10 ans à peu près. On est sur un jeu. On est sur la PS3 en 1080p, quoi. Après, c'est pas forcément grave. Hein. Ça... Mais oui, tout est très vieux, quoi, l'interface et tout, quoi. Ce rongeur de merde. Wait a minute, I thought you said spar rats, like in a non-killing practice sparring. You are funny. It's just rats. Ah non, c'est mort. En plus, j'aime bien les rats domestiques. Je suis pas un bourreau. Ouais. Stealing in the kitchen? Surely you must be joking. I won't kill, sorry, execute anybody over that. Aucune idée. Seriously? Disappointing. I mean, if it was a capital crime, maybe then. Perfect. This one took part in the previous uprising. Aïe. Has the blood of many innocents on its paws. Le problème avec les rats, c'est que ça vit 2-3 ans. I guess I only have myself to blame here. So, a killer and a rebel, right? Menace to society? Yes. Looks clumsy. Who did? That ratkin renegade scum. Tu m'étonnes qu'il y a des rebelles rateux. Ils ont l'air insupportables. They all deserve to be executed. Well, what do I know, right? And it feels like I don't have a say in this anyway. No. Here's a little healing help. Thanks. At least ah, ça sent la fiole d'estus, ça. Damn it. Move. Fiole de soin, ça sent la fiole d'estus, ça. You overgrown rat. Peut-être le premier boss du jeu en mode boss de tuto. Modification des relations. Vos actions raviront souvent une faction et déplairont fortement à l'autre. Cela est représenté par une modification de vos relations. L'échelle des relations se trouve dans la section générale du menu inventaire. Ok. Oh mais moi j'ai pas envie. Battez le galérateur. Je vais pas le taper lui là. J'ai des doutes well, sur cet entraînement. Dying with dignity doesn't sound like a great learning concept. Why don't you quit teaching if you think you suck at it? Oh, I was like you once. Run of the league. I had to fight more to get what I deserved. It forged me. Still, my warriors are long gone. I'm old, tired and mutilated. Well, desperate times call for desperate measures. Best I can do is to make sure you won't be dying too often. Super. So this from the partial data we have gathered during our experiments, every living being resets to the state it was before you died. Ah, en fait, ok. This immortality thing seems to be more good news for the spar rat, though, right? He gets it might or not. In some cases, the beings do not. Genre les boss, quoi. And that's it. Your peers described blue walls, supposedly a force field. One might extrapolate that the field disrupts the resurrecting effect for those not being merged with the belt of immortality. This is getting a bit insane. Conclude your own research. Bon. Allez, c'est parti. Ça sent le premier boss de tuto. Hein. Peut-être qu'après ça, on pourra se grouper, Lucas. Oh, la barre de vie. Oh, les chums. Ah ouais, c'est... Oh, putain. Ah ouais, c'est old school, quoi. Wow. On va quand même le battre, hein.
T'as contre-attaqué, salaud. Victoire! Diminution avec les rateux diminués. Mais je voulais pas le tuer en même temps. That serves that child-eating monster right. The soul of my poor knees can... Well done, Silver. You'll be ready for... What cradle? Oh, lowly. Bon, je vais avancer un petit peu pour voir en fait quand est-ce qu'on peut être en coop. Je vais lire rapidement le chat, hein, je vais la lecture rapide. Now it's time to... You will need some real weapons for that. Get them. Attends, il veut que je retourne à l'armurerie. J'ai l'impression que par contre c'est pas des genre les feux d'astuce. Bon, c'est vraiment un Souls like un côté gameplay. Mais oui, non, il est pas le jeu est pas enfin, bon. Il y a des choses compliquées quoi. Oh, le pauvre Tira. Fait de la peine en plus. Just tell me. Shame. Here. Take it. I really hoped you'd be different. Mais moi je voulais pas les tuer, le rat. Ça se trouve, peut-être que j'avais le... Peut-être que j'aurais pu attaquer le Tobias. Essaie de le taper, toi, Lucas. Katana d'entraînement, tiens, ok. Là, je suis en train de me battre contre le rat, là. Ah merde. T'as pas essayé de taper Tobias? Non. Need more help? Guilty conscience? Ah, proposer de l'aide. Do you need... Thank you, master. Many burned and tortured. Stop calling me that. Donc là maintenant j'ai un katana. Est-ce qu'on peut le prendre à deux mains? Oula. Ah ok. Ah oh, ouais non mais ça part, attendez. Genre si je peux attaquer Tobias je le fais, hein. Je lui défonce sa gueule. On va obliger à. Non on peut pas. Je sais pas comment j'aurais pu alors ne pas me battre contre le gros rat. Je pense que t'as pas le choix. Hein. Ouais, on peut pas taper les PNJ. Il m'a dit d'aller où déjà, j'ai oublié. Je vais pas écouter pour le coup là. Gog veut trouver une trousse médicale, ça j'en rappelle. Trois dames du lac. Ah, Tobias, vous allez à l'armurerie. Ah, faut que je retourne le voir juste avant. Merde. Ok. Bon, je pense que t'as vu la gueule de la barre de vie. Ouais, c'est... Ouais, même les combats, en vrai... C'est... Est-ce qu'on ferait... Est-ce qu'on partirait pas pour un petit refund, cher Lucas? À mon avis, ça va partir sur un refund, d'ailleurs. On va voir. Au moment, c'est bon. Les combats, ils ne rendent pas durer. Oh, moi, j'en ai un autre, là, c'est... Voilà, c'est rien que la barre de vie, c'est... Je suis en train de tuer un mec qui s'appelle Marco, maintenant. Voilà. D'abord. Ah, il se heal le bâtard. Ah, il est vénère en plus. Ah merde. Ah, vous êtes mort. Bon, j'arrête là, moi, Lucas. C'est trop éclaté. Hein. Ouais, non, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop éclaté au sol quand même à la story crew. Peut-être qu'en poussant un peu, peut-être que ça peut être mieux, hein, je sais pas. Mais j'ai pas la foi. Ouais, clairement, c'est pas le gameplay qui fait la force du jeu. Non, c'est ça. C'est que Hellpoint, vous voyez, par exemple, ça avait un aspect cheap. Mais Hellpoint, il y avait une profondeur qui était folle dans Hellpoint. Là,